Boker Tov, Shavua Tov et surtout Chodesh Tov en ce dimanche 21 du mois de mai. Bezrat Hashem et Rosh Chodesh Sivan. Comme vous le savez, nous sommes rentrés maintenant dans le mois pour lequel le monde a été créé. Le mois de la Torah, le mois du don de la Torah, le 6 du mois de Sivan, puisque Bezrat Hashem et Barach, jeudi soir, nous rentrons dans cette merveilleuse journée. Il faudra faire le Rouf Tafshilin pour ceux qui veulent le cuisiner de Yom Tov pour Shabbat, Bezrat Hashem Yitbarach, en nous souhaitant à tous une grande préparation, Naase Benishma, de nous préparer au niveau des Midot, pour arriver Bezrat Hashem au Tihour, de la seule chose que l'on prendra avec nous à la fin de notre vie, c'est Torah, Mitzvot ou Maasim Tovim. Ce sont les trois choses que nous prendrons avec nous. Velachen Bezrat Hashem, Sheniske, Yishuot Venechamot, puisque le monde a été créé pour la Torah. C'est dommage qu'il y a des gens qui ne comprennent cela qu'après la mort, quand ils sont dans le monde de vérité, ils se rendent compte que la moindre mitzvah, la moindre étude de Torah, le moindre effort qui a été fourni pour faire dévoiler le nom de Dieu sur terre et d'être meilleurs les uns vis-à-vis des autres est récompensé. C'est bien dommage que malheureusement des gens ne prennent pas l'éveil de cela, de ce monde, emporté par l'orgueil ou plutôt je dirais le train-train habituel de la vie où rien ne se passe dans leur vie, ils sont nés puis ils sont partis sans laisser de traces. Comme disait le roi Salomon, dans Kohelet, il y a trois choses qui ne laissent pas de traces. Je ne sais pas si je m'en rappellerai exactement, mais le vol de l'oiseau ne laisse pas de traces. Le serpent, exactement, ne laisse pas de traces quand il passe par la suite. C'est-à-dire qu'il est effacé quand il passe sur les rochers. Et le bateau sur l'océan. Comme ça dit le roi Salomon, l'omashir roshem, il ne laisse pas de... Et pourquoi tu dis ça? Pour dire que chaque personne a le devoir de laisser une empreinte. Et le shiur de ce matin, attendez juste un instant que je ne dis pas de bêtises, quoique j'ai son fils à côté, je vais bien vérifier que c'est toi. Le shiur de ce matin a été acheté par Shimon Pachter, donc c'est bien toi, pour quelqu'un qui a laissé une très très grande trace de Kedusha, une personne que je mérite de connaître, le Rav Pinchas Gedalia Pachter Ben Shimon HaKohen, qui d'ailleurs quand vous regardez sur les applications des dates, de la date d'aujourd'hui, vous avez aujourd'hui la Hiloula de ce grand tzaddik. Rempli d'une connaissance, digne du Har Sinai, que j'aimais beaucoup personnellement. On a passé beaucoup de souvenirs ensemble. Ça a été un de mes premiers enseignants, on va dire comme ça vraiment. Ruach Hashem tenachenu began Eden Elyon v'chol ha'shuvim imo. Sans plus tarder, Bezrat Hashem, on pensera en même temps à l'élévation de l'âme shel kol metei Israël et refoua shlema achlama meira ubriyut etana pour toute notre liste. Mais comme il est déjà tard, on commencera tout de suite, Bezrat Hashem. Nous allons parler du roi David à travers Shavuot, pour lequel le roi David a dit quelque chose de très ambigu. Il limite la vie, c'est Bessader, je n'ai pas besoin. Il limite la vie à 70 ans. Ad shenotanu bahem, shivarim shana, ubigvorot, shmonim shana. Alors qu'on a l'habitude de dire pour les anniversaires, ad me'aveisrim shana, jusqu'à 120 ans. Voilà que le roi David, eh bien, lui, il définit que l'âge de la raison, de la perfection, c'est 70 ans. Alors que 70 ans, avec tout le respect que je dois à tout le monde, c'est pas tellement vieux. C'est un âge avancé. C'est pas un âge où on peut dire je suis jeune, mais c'est pas non plus une fin de vie. Le roi David est mort à 70 ans. Mais bizarrement, contre toute attente, la Torah, elle, à la fin de la paracha de Bereshit, nous parle de 120 ans. Moshe Rabbeinu est mort à 120 ans. Hillel HaZaken est mort à 120 ans. Rabbi Akiva est mort à 120 ans. Rabbi Mordechai est mort à 120 ans. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de tzadikim qui sont morts à 120 ans. Et c'est ce qu'on dit jusqu'à aujourd'hui. Bezrat Hashem, ad me'av et esrim shana, à un tel point qu'une personne qui fêterait aujourd'hui ses 120 ans lui dirait donc bonne journée. Parce que zat me'av et esrim shana. Alors pourquoi on arrivait à dire jusqu'à 70 ans? Et c'est ce qu'on dit dans les Teilim avant de le lire dans la préface. Ad shenotenu bahem shivaim shana. En réalité, la Gemara dans Maseret Nida, si je me rappelle bien Nida, pas Sota, Kanida, nous dit qu'il y a trois choutafim pour faire un enfant. Il y a trois associés. Il y a Dieu, papa et maman. Chacun, Bezrat Hashem, va donner une participation à la création de cet enfant. Le père et la mère donnent le corps et le créateur du monde donne l'âme. Donc si je fais un récapitulatif de la perfection d'un homme qui grandirait de ses propres parents, donc combien il a de parents en tout, vous avez compris? Trois parents. Il a Hashem, il a papa et maman. Le mot Hachem en hébreu, donc Yud Kevavke, fait en gématria le compte numérique 26. Nous avons le mot Papa, Av,
qui fait 3, 26 et 3, 29. Bonne réponse. Et nous avons le mot M, maman, M, Aleph, même, ça fait combien? 41. Combien ça me fait en tout? 29 plus 41, 70. Pérouche et Davar, que le roi David, quand il appelle l'âge des 70 ans, il rappelle en réalité la connaissance d'une personne qui est arrivée au summum de ce qu'il doit comprendre de son origine, c'est qu'il est né de Dieu, de son père et de sa mère. C'est pour ça que le respect des parents est relié directement à « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte ». C'est-à-dire que les 70 ans du roi David sont pris de la guématria en réalité, même si lui a vécu 70 ans et qu'il parle de lui dans le contexte. Eh bien, en 70 ans, tu dois réaliser une chose essentielle, c'est que, on dit qu'à 50 ans, un homme, il a un pied déjà dans la tombe. Comme un végétal qui va vivre 100 ans. Donc 50 ans, il est déjà dans la majorité des années de sa vie. Hein? Donc celui qui a plus de 50 ans, voilà. 70 ans, il a déjà le troisième orteil du deuxième pied dans la tombe. C'est là. Mais le roi David a eu une très très grande particularité. Hormis d'être simplement le roi aimé et préféré de Dieu, il est celui qui deviendra l'élément, le personnage historique principal du judaïsme. Nous, par exemple, Am Israël, si on dit Yerushalayim, on dit cité de David. Qui a conquis Jérusalem? David. Qui a acheté Jérusalem? David. Qui est le roi le plus connu d'Israël dans le monde? Le roi David. Celui qui nous sauve à travers toutes les expériences et les épreuves qu'il a eues dans sa vie. L'Ominastam, les 150 Tehilim ont été écrits par Roi HaKodesh, comme il y a marqué dans Ishtaprut HaNefesh. Sur le roi David, qu'il a écrit Mamash Beruah HaKodesh. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le roi David a mis du cœur dans chacun des enseignements des Tehilim parce qu'il est parsé par cette épreuve. Il raconte en réalité sa propre vie. Et quand on lit les Tehilim, il n'y a pas une épreuve au monde qui n'a pas frappé le roi David. Jusqu'à carrément avoir froid, jusqu'à carrément avoir été trahi. Comme il est dit d'ailleurs dans son deuxième Tehilim, et troisième Tehilim, la guerre de Gog ou Magog, il l'a vécu déjà à son époque. Et puis pire que tout, il a vécu l'épreuve la plus délicate. Celle duquel Agmara dans Sota même tête à Moudbet nous dit que les ennemis de ta vie, les pires ennemis que tu auras dans ta vie, eh bien ce seront ceux de ta propre maison. N'oublions pas qu'il a eu Avshalom, Adoniaou, ses deux fils, qui ont tout fait pour assassiner le roi David, pour le détrôner, qui ont même pris le trône sans son autorisation alors qu'il est encore vivant. Il a été mis à l'épreuve du début de sa naissance, rejeté par ses propres frères, haï par son père. Un truc de malade. Quand on étudie la biographie du roi David, on dit, mais c'est pas possible. Même Yov, il paraît pas tellement différent du roi David. Il a tout eu. Il a connu la folie, parce qu'il a prié pour cela quand il a été fait prisonnier sur la bande des Philistins. Il a été attrapé par le roi des Philistins. Il a tout eu. Il n'y a pas un point. Il a été veuf, il a été divorcé. Qu'est-ce qu'on trouve pas au roi David? Il a été guerrier, il a été faussement accusé, il a été trompé, il a été haï. Malo ayalo, le roi David. C'est-à-dire? Et avec tout ça, il est le seul duquel on va dire quelque chose qui demande réflexion. David, Melech Israël, Chai Vekayam. Mazuto Meret Chai Vekayam, Rabbi Shimon Bar Yochai, Lo Chai Vekayam, Moshe Rabbeinu, Lo Chai Vekayam, Lo Arizal, Lo Chai Vekayam, le Baal Shem Tov, Shabbat prochain c'est Saïloula, Lo Chai Vekayam, tous les tzadikim, Keroim Chaim, tous les tzadikim sont appelés. Azma Inyan Po, David et Melech Chai Vekayam. Hagmara, Masrat Shabbat, elle nous dit, je vais te dire pourquoi. Parce que le roi David, Alav Shalom, comme c'est marqué dans Masrat Brachot, il ne dormait pas. Lo Yanum Velo Ishan, L'orak Shomer Israël, David Amelech Alav Shalom, il dormait Kishnat Sous. Ça veut dire moins d'une demi-heure. Et Makoré, quand on dort, eh bien, quand on dort, la Touma, elle a le droit de posséder l'homme dès qu'on dépasse cette limite de temps. C'est-à-dire, il marche le quai dans la Gemara, à savoir, Mdjouk Mazé Kishnat Sous, ça veut dire Meshane. David Amelech, il dormait pas. La Gemara nous dit dans Brachot, il avait une harpe, Chaminach Moul la Chalon, Varo Chayam en. Son kinor, c'est comme une espèce d'alarme qui disait au roi David, il avait une liaison donc avec le ciel très particulière, puisque le vent venait caresser les cordes de son harpe, qui venait, ou son violon, peu importe, qui venait eh bien, jouer le tzlil de Arshav, maintenant réveille-toi. Et qu'est-ce que faisait le roi David?
La première des choses qui est la plus importante de toutes, qu'on étudiera puisqu'on m'a demandé un cours sur ce sujet-là, c'est la mélodie. Le Rav David ne priait jamais sans mélodie. Il priait Hachem, faisait une grande hitbo des doutes. Il y en a qui disent qu'il faisait sa hitbo des doutes avant de dormir, et Shomrim, Ahre Hashena. Et dès qu'il se levait, eh bien, il y a une chose que le Rav David n'a jamais pu faire dans sa vie, c'est Netilat Yadayim Imbracha. Alors, David Amelech, Kol Chatzot Laila, Natal et Yadav Bibracha. Lama. Comme on le fait à Shavuot. Lama. Kiulotima et Atzmo. Lo et Atumah. Il n'avait pas de Touma. Mais c'est David Israël. Melech Chai Vekayam. Chai Bayom Vekayam Balaila. Il vit le jour. Chez où? Il est Nakim Kol Touma. Vafilou Hashena. Le sommeil du roi David n'a pas pu être touché chez lui. Pourquoi? Parce que le temps pour lequel la Sitra Hara, les forces et l'atmosphère dans laquelle nous vivons, peut se déposer sur les mains, n'a jamais eu le temps chez le roi David. La reine, ou Yachid, chez Chai Vekayam, Lo Ta'am Tumat Laila. C'est parce que c'est là. Tumat Laila. Yefchal et Taher Edze. Yefchal et Taher Edze. Lo Ta'am Tumat Laila. C'est Pele Plaim. Il n'a rien à dire, ni l'Odea, Zelo Neymar Alav. Rabbi Shimon Bar Yochanan non plus. Ah bah, les Tzela Demelech, c'est Kol Yemechayav. Du début jusqu'à la fin, Lo Ta'am Tumat Laila. C'est Tumat Kasha Shel Dinim. La reine Tinitilat Shel Aboker, il est très spécial. Assur l'étoile les aimer Al-Kelim. Après ça, oui, la mèche Revit Maïm, Zemevatel Tumat. Aval, le matin, Shranouk nous dit, il ne faut pas se toucher les yeux, pas se toucher le nez, pas le nombril, Al-Tigabaf Makom. Pourquoi? Parce que tu es pose de la Tumat, Bechol Evar Ve'Evar, sur tous les membres. La reine le roi David, Natalia Dav, Blibracha, Lama, Patour, Assur. Comme nous le matin de Shavuot, d'accord? On fait Netilat, Blibracha, Lama, le Yashamta, Kola Leila, Rak Netilat, Blibracha. Et c'est David Amelech, Pele Plaim. Azachen, Maa Kesher Akshav, quel rapport il y a avec deux nuits, une longue nuit, Oshana Rabash, ou Laila Aroch, ve Shavuot, ou Laila Katsar. Maa Inafkamina. Les deux sont reliés au roi David. Lama. Mais Shavuot, nous avons Shiva Ushpizin. D'accord? Qui est le dernier des Ushpizin? David Amelech. Quel jour il tombe? Oshana Rabah. Oshana Rabah, Shayach, le David Amelech. D'accord? Lo Yishanem Balaila Azeh. Les filles Asod, selon la Kabbale, la raison pour laquelle on ne dort pas à Oshana Rabah, Nova Mizeh Shezed Dinim Kashia. Ça veut dire que, si je fais un récapitulatif des Arbaïm Yom des Slichot, 40 jours des Slichot, je fais le Tikkun de Rosh Hashanah, Kippour, Shavuot, Shavé, Oshana Rabah. Oshana Rabah, c'est le kibbutz galuyot de tous ces dinim shemitkapsim belaila achat. Echta yashen, yefshar yishon. Zé l'ifi asod. L'ifi adrash, c'est bichlal lozé. De quoi est-ce qu'on parle? Que cette nuit-là, qui c'est qu'on reçoit? David Amelech. David Amelech, lo yashan balaila. Comme on reçoit ou shpize chez lo yashan kol yemechayav, echta yashen le kabel oto. C'est pour ça qu'à Oshana Rabah, on ne dort pas. Parce qu'on reçoit David Amelech. Le David Amelech, le Yashem Balaila. Quand tu reçois un invité chez toi, tu as un kabel Oriach Babayet. D'accord? Lui, il va dormir. Olech Lishon, Mata Ose. Olech Lishon, la reine. Les 6 jours que nous avons, qu'on reçoit Abraham, Tzrak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, Ayu Yashanim Balaila. Mais Adzman, Ayu Yashanim, Olech Lishon, va dormir. Aval David Amelech, ou le Yashen, Echata Olech. Az Balaila Aze, Atachav Lisher. עכשיו, מתי מת דוד המלך עליו השלום? החזיר את נשמתו. כידוע, כי ידו ז'ור, יש יומיים, שלעולם לא יחולו ביום שבת. או שנה רבה ושבועות. ז'מי תומרון שבת. ז'מי, חוץ מפעם אחת בהיסטוריה. וזה דיון בגמרא, מתי בדיוק הייתה שבועות? בו' בסיוון, בזין בסיוון, ביום שבת. ביום שבת, c'est la tradition de dire que Biyom Shabbat Aya Davka Matan Torah. Le gazé d'Oresh Amon Iyun les filles à Cheshbon. C'est le mistaderli Aval Lomeshane. Chutz Mipa Amachat. David Amelech est mort le jour de Shavuot. Met Biyom Shavuot. Et ce yom Zaya Shabbat. Likhat Saouraim. C'est Ayom Ayachid. Cholim Rabotenu Alem HaShalom. Comme je me dis à Rav Mazouz, je me dis à Dégam. מהעניין הזה ששבועות דווקא סתום לג'ור די שבת? הוא אומר, זה היה לרבות דוד המלך. פעם יחידה בחיים, שהקדוש הוא סיבב, אילפי אונסורט,
que Shavuot chal be Shabbat, pas machat l'irvot David Amelech, beyom ashivim shana shelo. Le jour de ses 70 ans. Lama. Omer Mishum chez David Amelech. Étant donné que le roi David n'a jamais dormi, lui, tam, shena, amitit, il n'a jamais dormi. Az, achshav ou yishan, betoch hakever, ou niftar, achon? Celui qui est niftar, comment on l'appelle? Celui qui meurt, comment on l'appelle dans l'amida? Erkorim le niftar ba amida shelanu. Ili shene afar. Sauf, ou lech lishon. Li shene afar. Lou li shene afar, c'est taout. Li shene afar. Les gens qui vont dormir, va kever, dans la tombe. Achshav David Amelech, toute sa vie, il a veillé. Le jour de Shavuot, l'irvot David Amelech, c'est tombé le jour du Shabbat. Lama, chez sauf David Amelech, alak lishon. Ayou Shoali Moto, posez la question. Maim shena, tu vas pas dormir, t'as l'air lishon. David Amelech disait, ani shan va kever. Et ben ataim, kolot shaner dolek, yesh la avod. David Amelech loa im batel beshena. Shena, ze oreg et azman. Botoriga, à partir du moment où une personne, elle dort, Azman Shecholef Olech Leiboud. Donc, moins tu dors, mieux c'est. Dors, l'ifne chatzot laïla, ze shaot kfulot, betakum. Lama, parce que tu dois habituer ton corps à cela. Arba shaot, aramba mevi bilchot deot, shmone shaot. Shmone shaot, c'est pour les Tunisiens, ça, c'est Tunisia, ils étaient shmone shaot. Hein? Ashkenazim, combien de temps? אנחנו תוניסאים אוהבים גם לאכול טוב, לישון טוב, ליהנות טוב, ללמוד טוב. חכמי תוניס היו חכמים, אוהבים ליהנות מהחיים, כן? טוב, לא משנה. En tout cas, c'est la raison pour laquelle on ne dort pas non plus le jour de Shavuot. Et pourquoi on ne dort pas le jour de Shavuot? Parce qu'elle est mitshtayech le shenato shel David Amelech. Étant donné que le roi David est celui qui a dévoilé le Tamsit de la Torah, comment s'appelle le livre du Tamsit de la Torah? Tehilim. Mazé Tehilim. Chamisha prakim kenget chamisha chumche Torah. Le Tamsit de la Torah, c'est Sefer Tehilim. C'est doux. Mais la reine, on ne dort pas pendant cette nuit de Shavuot où le roi David, Megillat Ruth, Ken, Irzir et Nishmato, Teora le Bereu Olam, qui a rendu son âme au Créateur du monde. Alors bien sûr, à part cela, il y a d'autres explications pourquoi on ne dort pas à Shavuot. Parce qu'est-ce qui paraît, on se serait endormi quand Dieu a donné la Torah. Donc ici, il y a beaucoup d'enseignements à recevoir que quand tu viens étudier la Torah, ne t'endors pas sur ton étude. Pérouche, d'abord, sois actif, vraiment comme dans la vie. Vous savez, quand on va chercher de l'argent, quand on va acheter des diamants, on n'achète pas des diamants comme ça. On demande si c'est A, B, C, D, E, F, qualité des diamants, si on peut négocier le prix. Qu'est-ce qu'on fait comme enquête? On les met dans des coffres forts. On est heureux quand on a beaucoup d'argent en banque. On se sent bien. On a des solutions. C'est exactement de la même façon qu'un homme se doit de réagir quand il a de la Torah. Il doit se sentir extrêmement riche, même s'il n'a pas un copec dans les poches. Il doit se sentir en sécurité parce qu'il sait que la Torah, magna ala Adam, elle protège l'homme et surtout qu'elle le rend intelligent. Marbe Torah, marbe chokhma. La Torah donne beaucoup de sagesse à l'homme, Ezrat Hashem Yitbarach. Et la reine, on ne dort pas pendant cette nuit de Shavuot, un petit peu à l'image du roi David. Pendant ces longues nuits ou ces courtes nuits, donc la nuit courte qui est celle de Shavuot, la nuit qui est longue, celle de Hoshana Rabba, on ressemble un petit peu au roi David qui lui a pu recevoir la Torah, qui lui a pu recevoir la royauté d'Israël à Géoula, tout simplement parce que lui n'a pas dormi. Et nous, au lieu de passer une année entière à essayer de ressembler au roi David, on prendra la plus longue des nuits et la plus courte des nuits en ce qui nous concerne pour retracer le passage de cette Ushpiz numéro 7 de la fête de Shavuot, ainsi que celui qui a rendu son âme le jour de Hoshana Rabba, et celui qui a rendu son âme le jour de Shavuot, où enfin il est parti dormir. Enfin il est parti dormir. La reine Zé Yoter Katsar, Mprinatenu. C'est mignon comme sonnerie, j'aime bien. Reine Bezrat Hashem Barach, on étudiera dans le prochain Shiur les raisons pour lesquelles, malgré tout, on lit l'histoire de Ruth à Moavia et l'existence du roi David, qui est certainement de tout le Tanakh. C'est-à-dire, on dit de Yov, est-ce qu'il a existé, est-ce qu'il n'a pas existé? Il y en a qui disent que c'est la réincarnation de Terach, il y en a qui disent que c'est Abraham Avinu lui-même, il y en a qui disent que c'est une légende, il y en a qui disent que Yov, c'est tout le peuple d'Israël. Mais en tout cas, tout le monde le respecte. Le roi David, son existence a été discutée.
Ce qu'il était a été discuté. Il y en a même des gens, pour vous dire à quel point ils sont débiles, il y a vraiment des gens qui l'ont même fait un homme à homme. C'est-à-dire, alors que le roi David était marié avec des femmes et qu'il n'a jamais eu de tendance homosexuelle. Il y a même des gens qui le prennent dans cet exemple-là, chez Mishmor Virachem. Des choses qui sont graves. Prinat à ce que dit la Torah, il n'a jamais remarqué une seule fois ce genre de choses. Aval, Ezra Hashem Barach, Benkar ou Benkar. Le roi David, il a même été considéré comme étant un bâtard. Mais surtout, le point culminant de l'existence du roi David, c'est sa légitimité à la royauté descendant de la tribu de Yehuda, puisqu'il vient d'une Moabite, c'est-à-dire de Ruth, qui vient de Moab. Et Moab, ainsi que Ammon, sont les deux peuples qui ne pourront jamais se convertir, et ce, à aucun moment de toute la génération. Et jusqu'à ce que le Sanhédrin, jusqu'à ce qu'un vieux, il y a plusieurs déotes qui ramènent que, Chas v'Shalom, de dire que le roi David n'est pas légitime, Doeg Adomi, chef du Sanhédrin, s'est farouchement battu contre le roi David pour le disqualifier de la royauté. On a vu que le roi Shaoul prévient Jonathan, son fils, en disant « Mais si le roi David prend la royauté, toi tu ne seras pas l'héritier du trône. » Et d'ailleurs, ça demande beaucoup de réflexion. Comment ce tzadik était le roi Shaoul peut dire une chose pareille alors qu'il est d'attribut de Binyamin, alors que nous on est d'Yehuda. Seul le descendant de Yehuda pouvait prendre le trône. Vous allez voir que le roi David... non seulement avait toutes les raisons de se reposer et de se retrouver avec lui-même en rendez-vous, mais il avait mieux à faire que de s'occuper de ses propres problèmes, d'avoir été constamment accusé, constamment dénigré, constamment refoulé. Le roi David avait une chose sur laquelle, Béhémeth, il y a un grand lien avec la fête de Shavuot, c'était de servir la Torah et de l'étudier. Et quand tu as ça, tu as une cible en face de toi, c'est d'être un serviteur de Dieu fidèle, alors que tu as tous les moyens et tous les pouvoirs. Le roi David, sachez une chose, il avait une neshama d'Ilzora Kadosh, nishmato shel David amelech kotsim. C'est-à-dire que si le roi David s'était laissé aller, ouais, à son Yetzerara, il aurait été le plus grand rachat de toute l'histoire du judaïsme. Mais il a retenu tous ses Yetzarim, toutes ses tendances d'homme violent, d'homme à femme, d'homme, et les a mis au service de la Torah. À honorer ses femmes, à ne pas profiter de son argent de roi. Vraiment, il y a Anav Gadol. Il faut savoir que le roi David était d'une humilité. À Tridekar qu'il écrit dans Télim, Ani Tolaat Veloish. Je ne suis qu'un ver de terre et pas un homme. Waouh. Mais il dit de Moshe Rabbeinu, Anav Mikol Adam, Tefila le Moshe Ish Ha'Elokim. Lui, c'était un homme. Moi, je suis une Tolaat. C'est dans ce sens qu'on peut comparer l'humilité d'un roi qui avait tous les pouvoirs et dont la main de Dieu était sur lui. Tout ce que faisait le roi David, Hachem était avec lui. Régnez Bezrat Hachem Zichlo Baruch. Comme tous ces tzadikim, à l'image du Rav Pachter, Bezrat Hashem, qui a su ramener tellement de juifs comme de non-juifs à la raison, au judaïsme et à l'amour de la Torah. Et Bezrat Hashem, Ruach Hashem, Tenachenu, Beganeden, Elyon, Bechol, Ashurvim, Machem, Bechen, Yerasson, Omar, Amen.